Un seul nom me vient à l'esprit pour définir ou résumer leur mode de pensée, Sherlock Holmes. Tous ces jeunes gens ont plaisir à se replonger et créer un univers fantastique basé sur l'exploration des grandes découvertes du début du 19e siècle, à savoir la vapeur, la mécanique, l'horlogerie et le fantastique. Une science-fiction dans un univers parallèle, mais conjugué au passé simple. Ils sont venus des quatre coins de France, après Paris et Nantes, Toulouse accueille enfin ces belles dames et gentilshommes sortis d'un livre oublié dans une bibliothèque. Dans la pure tradition des déjeuners sur l'herbe, le respect des détails éclipse un temps les sandwichs et emballages du 21e siècle. Ici, on se retrouve entre amis, entre passionnés d'un art de vivre et de l'élégance, mêlés souvent à de sordides mais combien exaltants costumes d'autrefois. J'avais rien à la base et violon. Et voilà, et j'ai récupéré la robe de demoiselle d'honneur du mariage de mes parents. C'est magnifique. Que j'ai merci beaucoup. Ah ben ça c'est fait exprès par contre. Le rouge, le vert, ça va super bien. C'est pour ça là. Quel est le but de ce rassemblement, cette réunion? Promouvoir le steampunk en France et surtout à Toulouse, et surtout se faire plaisir. Alors en fait c'est un événement steampunk organisé, vous avez les organisateurs derrière vous. Et c'est surtout pour le plaisir. On est là pour s'amuser ensemble avec nos costumes. Pour certains, c'est des costumes, pour d'autres, c'est les vêtements de tous les jours. Ça dépend pour qui, quoi. D'où vient ce style, cette création? Alors, en fait, à la base, le steampunk, c'est un mouvement littéraire qui se base sur la deuxième moitié du 19e siècle avec la société industrielle, les machines à vapeur. La mode victorienne n'est pas que victorienne, parce que c'est pas que cette période. Et les hautes formes, les queues de pie, etc. Et à force, ça a été remanié, ça s'est passé à être un mouvement musical, puis un mouvement artistique, puis un mouvement vestimentaire. Et donc on crée des événements autour, il y a des GN, il y a plein de choses autour du steampunk. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez dans le dos? Bien sûr. Alors ça, c'est un jetpack, ça sert à voler en fait. C'est un système très réduit pour pouvoir s'élever dans les airs. Et parce que moi, je suis un pirate en fait. Et donc, normalement, je m'envole et je vais à l'abordage des bateaux. Est-ce que comme un certain personnage, vous êtes tombé dedans, dans le steampunk? Non, c'est très récent. Dans tout ce qui est costume, les aventures, l'imaginaire, depuis longtemps, mais le steampunk, c'est vraiment très récent. Je fais du jeu grandeur nature, et donc là, on vient se faire plaisir, s'en mettre plein les yeux, puis prendre des détails, des idées pour l'ambiance et tout. J'ai réalisé l'ensemble du costume. C'est vous-même qui l'avez réalisé? Oui, voilà, sauf le chapeau qui est costumisé, mais après, le reste... Ça représente combien d'heures de travail? On compte pas. On compte pas. Le maître mot, c'est l'accessoire.
Ces petits plus qui enrichissent un gilet, un corset, dentelles et poignards vont de pair. Ainsi, une belle gantée de cuir sera démoniaque ou consolatrice. Méfiez-vous des potions magiques, des philtres d'amour accrochés aux ceintures. Voilà. Montre ta bague, parce que quand même, voilà, tu vois, il faut faire. C'est du pur Lily Quaza, je fais un peu ma pub, mais bon. Super mignon, c'est magnifique, le bracelet aussi. Les hommes, quant à eux, seraient plutôt chasseurs de ténèbres, de monstres. Des armes nouvelles ont fait leur apparition, dissimulées derrière une canne de promenade. D'autres, plus terrifiants, exposent brutalement leur panoplie. Tout ce petit monde respire la joie de vivre. Leur rêve est enfin devenu réalité, et c'est la consécration, pouvoir se rencontrer et partager autour de bons plats et de vin liquoreux. Je suis l'aliéniste. Donc je soigne les gens qui ont des problèmes à la tête. Qui te permettent de soigner? Alors il y a ceci par exemple, voilà. Ou alors pour les gens qui ont vraiment très très mal à la tête, il y a des moyens un peu plus radicaux. Voilà, quand il faut. Et vous êtes dans quel... on peut, voilà, on peut retirer des petits morceaux de cerveau si c'est nécessaire. Voilà. Dans quel hôpital ou université exercez-vous? J'exerce essentiellement en ce moment au Royaume-Uni, au niveau de Carfax. Je travaille avec le docteur Seward. Jack l'Éventreur, vous connaissez? Jack l'Éventreur, ça me dit quelque chose, ça. Vous voulez peut-être soigner, non? Ah, c'est possible, un sujet très intéressant. Ouais. Je restais baisé, sans volonté, sous ses baisers. Mademoiselle, quelques mots? Eh bien, je suis très heureuse d'être là, c'est mon premier Steam Tour. Je sens que ça va être un très très bon week-end. Vous venez d'où? De Dordogne, Périgueux. Que votre costume serait celui d'une mariée, ou bien je me trompe? Il y a un peu de ça. On va dire que j'ai fait en fonction de mon budget. C'est vous-même qui l'avez créé? J'ai acheté le corset, j'avais la jupe, j'ai accessorisé avec des vêtements un petit peu dans le style dentelle de ce que j'avais déjà. Well, Mrs., where do you come from? I come from the United States of America. You are specially here for the reception? Oui, yes, for the entire weekend. Et vous parlez français? Un petit peu. Mon français est très mal, unfortunately. Est-ce que c'est vous qui avez créé votre costume? Have you created your costume? Ah oui, oui. Je travaille à Los Angeles, je travaille en cinéma et
pardon-moi, mon français est très mal. Mais du spécial costumier et maquillage et special effects. Dans un studio Warner? Warner, Universal, Sony, I work for Imagine Entertainment. Vous effectuez un travail de maquillage qui va prendre combien de temps? C'est une bonne question en fait, ça va dépendre de combien de temps je galère à le poser. C'est à cette partie-là, il y en a une autre après, il y a encore une deuxième personne. Est-ce que son visage sera totalement transformé? La moitié, celui-là. Thank you.